Allô tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni. Vidéo 3. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Bien sûr, vu qu'il n'était pas enregistré ce bot-là, c'est pour ça que je retourne à cette place exactement. Mais qu'est-ce que on a fait dans la dernière vidéo, pour ceux qui se le demandent? Du moins, durant les deux dernières vidéos et... Oh! Il y a une cinématique là. Il n'y a pas de moyen de monter. Oh non! Nous devons absolument y aller! Vivez ici, vivement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ici. Tu crois qu'il veut qu'on le suive? Il n'y a qu'un moyen de le vérifier. Le suivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la... Bon, je vais commencer par la première vidéo qui a été publiée à peu près la Radio Champion. Comprends plaisir. Sachez que la deuxième vidéo a été publiée... la première vidéo a été publiée en avance. Complètement. Plutôt que prévu. Là, nous sommes dans la troisième vidéo. Sachez que, oui, j'ai décalé un peu les affaires. J'ai rapproché un peu plus les vidéos. Finalement, je pensais que ça aurait été au mois de septembre, le deuxième. Mais finalement, non. Allons le suivre. C'est une affaire que je vais vous expliquer après. Si c'est bien ce que je pense. Oui! Exactement. Il y a quelque chose dans ce trou. Je vois, il voulait aider son camarade. Son ami. Tu t'es coincé dans le trou, petit mousse? Ah, c'est mignon. Bah, la façon qu'il parle, pas d'une... en général, donc... c'est pas si mignon que ça, mais est-ce que si c'est mignon quand même? Ah, c'est pour moi? Vous obtenez une branche d'arbre. Pas n'importe quelle branche d'arbre. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien une branche. Je vois. Ici. On dirait qu'il a autre chose à nous montrer. Soupe poids. Hein? Que? Le sort rafale. Evan, que s'est-il passé? De la magie. Je crois qu'il m'a transmis un sort. Magila. J'ai l'impression qu'il veut que tu essaies le sort sur cette plante. D'accord. Sûrement, et... c'est ça. Voilà. Voili. T'as pas présenté que je te disais. Waouh, les mots sont incroyables. Donc ceci peut contrôler le vent. Ça peut nous être bien utile. Lui, il aime ça dire que c'est utile. Avec un coffre juste là. Des souliers. Bon, là, je vous laisse parce que je vais aller chercher certaines choses. Ce que nous avons laissé passer dans la dernière vidéo. À ça là.
nous avons monté, vous vous souvenez, la première place qui était... Oh, j'ai jamais vu ça. C'est la place exacte qui mène ici. Mais là, on va utiliser les mousses. Et pas à peu près. Wow! La puissance de ce dernier. Oh. Oh shit. Je suis avec Là, ça va mal. Ah! Ça va mal. Je pense qu'ils sont trop forts pour moi. Effectivement. Qu'est-ce que ça fait? Ceci. C'est perdu. Ok, on perd la progression? Oh, dommage. Dommage. Un peu trop puissant pour moi. Ok, on revient là. Son niveau qu'on vient. Hey, son niveau 21. Dans les 20, là. Je comprends pourquoi que je suis mort. Je suis mort assez rapidement. Trop pour moi, là. Du moins pour l'instant. On va y revenir plus tard, ça c'est sûr. Watch your backs. Hey! J'ai réussi. Ça c'est le fun. Faut évidemment aller voilà. Regarde, c'est là que je voulais aller aussi. Parce qu'il y a d'autres affaires qui se cachent là quand même. Voilà. Faut pas oublier. Il y a toujours des affaires cachées. Et je de même, hein. Niveau 5. C'est la puissance des vannes. C'est incroyable comment qu'il est puissant et vannes quand même. Ça paraît pas, là, qu'il est puissant, mais il est puissant. De l'argent, celui-là, oh, 3 florins, 30 gros florins, 300 florins, probablement c'est même un peu la même affaire que la monnaie chinoise ou japonaise. Ah, un sable, oh, un sable de poison, intéressant. Voilà! Je me demande c'était quoi cette bébête là par contre. Qui gamballe comme ça. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est que je vous donne le goût d'écouter ça. Que quand on arrête juste avant une cinématique. Puis si vous dites que ça s'accade, je m'en excuse grandement. Bah, moi, ça s'accade. Comme ça, ça peut pas. Même plus que les deux autres vidéos. Watch your backs! Yeah.
Ah, Imos, Imos, je vous oubliais. Voilà, merci Imos. C'est vrai, j'ai oublié celui-là. La dernière vidéo, je parlais toujours de le Zubi, c'est mousse qui ont créé cette île. Non, comme tu sais pas que de l'eau s'est mouillée, ça se fait bien quand même. Les combos là, pas le contraire, je trouve que ça se fait bien. Il y a probablement une cinématique qui s'en vient bientôt. Je suis sûr, certain. Ça sent cinématique. Un autre téléporteur, mais avant ça, de continuer, il y a sûrement de quoi là. Une voix semble provenir de la statue du Simus. Lorsqu'un objet souhaité donné en offrande sera un mousquetaire naîtra. Un ingrédient croquant qui ajoute un petit plus au plat. Je trouve que c'est exactement ce que je pensais. Vous avez déposé une noix croquante devant la statue du Simus. Pour une fois que c'est utile. Que les forces des mots soient avec vous. C'est quoi ça? Un mousse est sorti de la statue du Simus. Un mousse Alice la Lolita vous a rejoint. C'est quoi ça? Ça sent trop la cinématique. Une minute, tu entends ce que j'entends? Je savais qu'il y avait une cinématique. Ça sent la cinématique à plein. This doesn't look good. What are they? Alors, petit malin, vous croyez pouvoir vous balader tranquillement sur notre territoire? Vous avez jamais entendu parler de Zoran, le vipère du ciel ou quoi? Veuillez nous excuser, nous ne sommes pas originaires de la région. S'il vous plaît, nous devons absolument traverser cette vallée. Ah ouais. Et qui nous dit que vous n'êtes pas venu pour nous? Pour faire du repérage, hein? Vous payez pas ma tête. Ouais. Et selon la loi des pirates, ceux qui pénètrent dans notre territoire aérien doivent être exécutés par le soir. Nous étions en train de marcher, pas de voler. Je ne vois pas en quoi il est question de territoire aérien dans notre cas. Tais-toi, t'as cru qu'on avait le temps d'écouter tes sornettes, t'arranges pas ton cas, mon gros. Allez, y a plus qu'à les tuer. It was nice to make your acquaintance. Mistress Tani! What are you doing? Taking the law into your own hands, eh? The boss will love that. You were all set to play judge, jury, and executioner, then drag their bodies back to claim the reward, weren't you? Go on, I dare you to deny it.
Well now, I never... That is, we... I thought as much, but what happens to them isn't your decision. It's Batu's. Now take them back to base before I tell him you've forgotten who's in charge. Yes, miss. What should we do? Wait for an opening and run. All right. You two, take this lot back to base. I'm going to scout around a bit more. The Wyverns are on the prowl again. J'ai l'impression que les vouivres s'ajoutent pas mal ces temps-ci. Don't worry. The boss is a reasonable man. Most of the time. How could he not be? He's my dad. What? Le réaction, wow. La réaction d'incompréhension. Repère du pirate. Par là, et plus vite que ça. Je laisse lire, hein. On tente pas de lire, ça. Alors c'est ça, le repère du pirate du ciel. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Un pas de travers et on vous met le couteau sous la gorge. Compris? Plutôt que d'arrêter, hein, nous on te suit, hein. Toi t'es notre objectif, là. Ah, je te mouille. Non, ça va sauver le monde. Je sais pas s'il le dit qu'il était moitié chum, moitié humain. Bon, je sais plus. Pirates vétérans. C'est eux les intrus. Ouais. Faudrait que j'arrête de donner des voix. Sinon, faut manquer de bruit. Il faut faire un rapport au boss. D'ailleurs, personne sait où peut le trouver. Oi, matey! What? Oi, says I! Huh? So, what do we have here? Well now... C'est eux, les personnes douteuses qui se baladent pépère dans la vallée. Nous avons nos raisons. Je vous prie de nous écouter. Monsieur, nous aimerons traverser la vallée pour aller au dôme sacré. Pas question. Vous êtes entré sur nos territoires et chez nous. Ça signifie peine de mort. On va vous jeter au fond de la vallée. Ça fera un bon repas pour lui, Piaf. Ha 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 ha. Quelque chose de même. Oh non, s'il vous plaît. Hey. Attendez. Les garçons se tenant devant vous et le roi de Carapace. Avez-vous conscience des conséquences que son meurtre pourrait engendrer?
Ah. T'es un petit rigolo, toi, hein? C'est vrai que j'ai entendu dire que le roi de Garbas était mort et que son fils lui a succédé. Mais tu peux me dire ce que ce petit roi ferait ici? Il a été victime d'un coup d'état et s'est enfui. Nous traversons la vallée pour nous joindre au Carabas. Éloigné de Carabas. On a reçu un rapport de la Fédération aérienne attestant de cette situation, boss. Tête qui dit la vérité. Intéressant. Dans ce cas, je vois aucune raison de le laisser en vue. J'imagine que le nouveau boss de Carabas le souhaite mort. Le tuer pourrait nous rapporter ses faveurs. je répondrai pas. Copierai pas. Moi je pensais que c'était l'autre grisante. Mais c'est vrai, j'ai oublié que c'est lui. Boss! On a un problème! C'est ça le titre de vivre ont enlevé Sandy. Elles ont dit que si on tenait à la fée, on devait leur laisser notre repère. Quoi? Quelle bande de larves! Elles ont osé! Au secours. Si on leur cède le repère, on n'aura plus aucune défense. Vous êtes bêtes! Elles veulent sûrement en profiter pour tout nous tuer. Bon, pas le choix. Je peux pas sacrifier tout l'équipage juste pour elles. Mais... Et puis c'est ma fille, je suis sûr qu'elle aurait fait pareil à ma place. Mais enfin boss... Ça suffit, je veux pas entendre un mot de plus. Attendez, pourquoi abandonner vous si facilement? Qu'est-ce qu'il veut, gamin? Si vous ne voulez pas aller la sauver, moi je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Laissez-moi y aller. Trop petit point. Monsieur Zora, j'y tiens vraiment. Votre fille nous a sauvés alors que nous allions être tués. Maintenant c'est à nous, à notre tour de le faire. Tu peux me dire ce que tu vas y faire gagner. Il va forcément chercher à s'enfuir, boss. Il va forcément chercher à s'enfuir. Non, je ne fuirai pas. Je ne fuirai plus jamais. J'en ai fait la promesse. Qu'est-ce qui bagouille qui suis là? J'ai fait la promesse de devenir roi et de bâtir un royaume aux millions de sourires. La réaction. Ah voyons, 2 millions de souris, et pourquoi encore? Tu devrais être le mieux placé pour savoir que ce monde est plein de conflits, que ce soit des guerres civiles ou entre royaumes. Then I'll put an end to war and misery. I'll unite all the kingdoms in peace. What's that now? Not just a king indeed, but the king of the whole blessed world, eh lad? Y'a du plus! If that's what it takes, I have to try. And I can't stop trying until everyone is able to live happily ever after. So I can't let it all end here. I just can't! Silence! Ye mangy curs! You were saying, lad?
If I can't repay my debt to Tanny, I don't deserve to be king. I don't deserve to live. So kill us if you must. But at least give us a chance to save her first. And if we do, grant us safe passage to the king's cradle. Il réfléchit. So that's your game, eh? Yes. All right, Sunshine. You've got your... Fuck. Désolé d'avoir coupé. Bien. Quelqu'un pourrait nous dire où elle pourrait l'avoir emmené. Vous trouverez une grotte vers l'ouest. C'est la tanière des vouivres. Hey, ils mettent des noms de ceux-là, prononce eux autres. C'est grappelant, tu l'as emmené là-bas. Je leur mettrai mon poing à couper. Avant de partir, vous devrez faire un tour dans nos magasins. On y vend des armes et d'autres objets qui pourraient vous être utiles. Allons-y, Rala, nous devrions faire au plus vite. Je te suis. Là, quelqu'un vient dévouiller. Pareil ce que Gamay était l'ancien roi de Carabas, c'est bien le royaume que le boss n'aime pas trop, non? Ouais, plusieurs de nos frères sont morts à cause d'eux. Les soldats de là-bas nous considèrent comme de simples pirates. Quoi? On se contente juste d'atteindre ceux qui entrent sur nos territoires. Ils sont complètement pêchés ceux-là. Bon, nous sommes prêts à partir. Sachez que Evan là, c'est la première fois que j'ai vu, je pense que c'est vraiment une fille. Avec la voix là, on ressemble à une autre fille. J'imagine que la tanière des vouivres est par là. Here goes nothing. Vous savez, la branche d'arbre qui avait parlé au début, j'en ai pas reparlé, je me sens. Moi, j'ai pas souvenu d'en avoir parlé. Mais je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que je vais parler de ça? Ah, ça va bien être fort. Ça c'est bon. Hein. T'as pas de moi. Bien. Tu devrais avoir peur de moi. Yeah. La branche, ce n'est pas une branche comme les autres. C'est une baguette. Une baguette magique. Là, vous allez me dire. C'est quoi ça? Pourquoi tu dis ça? C'est pas une baguette. Tu sais bien là que c'est une branche. Il a dit c'est écrit. Mais moi, je vous dis le contraire. C'est une
baguette magique. Et pourquoi je dis que c'est une baguette magique? Parce que dans Inukuni 1, pour ceux qui ont joué ou qui ont XP, peu importe. Il y avait une baguette. Ah ok, je sais pas sa bonne arme. On part maintenant. On va aller sur celle-là. Bon, continuons l'histoire de la baguette. Dans Ni no Kuni 1, mais je parle vraiment de Ni no Kuni 1, là. Pas de. J'avais obtenu une armure en cuir de tireur. D'accord. Oh, il y a un coffre juste là. Puis, avant de partir dans l'autre monde, comment il s'appelle la lanterne? Je sais plus. Je sais plus, mais. Mais qu'est-ce que c'est? C'était une baguette, puis il y a une personne mystérieuse. Une fille mystérieuse. Qu'on sait. Qui c'est vraiment vers la fin, là. Puis qui découvre c'est qui. Puis c'est elle qui l'a aidé beaucoup, Olivier pour ses missions, là, surtout des bouts importants, qui l'a beaucoup aidé. Mais comme que. En vrai, je suis pas trop dedans aujourd'hui. Allez, que je fais moins de temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Grotte parvue. Pas sûr que je suis chanceux d'être là. Mais c'est pas grave, on va se questionner les détails. Mais il y a un coffre. Par contre. C'était juste une petite grotte comme ça. Peut-être. Mais revenons au fait de la baguette. Ça c'est Nin. Je sais plus son nom aussi de la fille qui l'a aidé. Mais c'était une baguette. Puis la baguette était. On avait une branche. Mais dans le fond, ce n'était pas une branche, c'était une vraie baguette. Mais en bois. Tout simplement. C'est pour ça que je dis. Que ceci n'est pas rien qu'une branche, mais bien une baguette. C'est peut-être la baguette d'Olivier, on sait jamais. Et nous allons en avoir de besoin de cette branche, ou cette baguette, tout moins pour vous, branche. Ouais, on va y en avoir de besoin. Et je vous dis pas ça pour rien parce que je le sais. Tout simplement. C'est ceux-là, les bouives. Ouais, yes. Voilà. Même si le plus gros il fuit. Bien essayé, mousse! Mais vous êtes trop tard. Ouais. Je sais qu'il y en a qui a des mousses qui prennent des soins. Enfin, qui donnent des soins plutôt. Pas qu'ils prennent, mais ils donnent. On dirait depuis que je joue à TFT, j'ai plus de réflexe. Et vraiment plus le réflexe du
de peser seul 1. Depuis que je jouais Sea of Thieves, c'est incroyable. C'est vrai, là. Vous savez, Sea of Thieves, le 1, c'est le... l'épée. Watch your backs. Ah, c'est déjà fini! Ah, ça a vraiment été vite! ça va vite! Moi, ça fait quand même 1h20 que je tourne, hein. Ça paraît pas, mais... ça fait quand même 1h20 que je tourne. Mais pourquoi vous laissez... quand c'est là, le... Regarde ça, ça doit être la tanière des vivres. Je dis bien. Bon, c'est le temps d'affronter les vouivres, si je me trompe pas. Ouais, vouivres. Tenir des vouivres. Décidément, il y a des endroits bien étroits par ici. C'est pas si étroit que ça, quand même. Santi doit sûrement être plus loin. Ah, un point de sauvegarde. Avec quoi? Donc, bon. Le point de sauvegarde, une feuille, une distrèfle, d'autres affaires pour le soin. Crème fouettée qu'il faut donner. Ah, et la bonne chose, finalement, c'est que... ah, lui! L'ombre. Qu'on va enregistrer. Vous allez voir combien de temps ça... à la fin. On était à 2h20. Dans la dernière vidéo, hein, on se souvient. Bizarre, il n'y a personne. Je n'aime pas ce silence. Heaven! Heaven! Ah, ça sent en haut. Des vouivres. Vol ou plus pas. Chef vouivre. And what brings you here? C'est quoi ta voix? Waouh! Nous sommes venus récupérer Sandy! Rendez-nous là! Rendez-la nuit plutôt! Vouloir fille, pirate! Mais vous, pas ressembler pirate! Si vous pas de valet broasque, nous pas parler. Partez, partez. Elle a dit que ça. Excuse me. Pas question, rendez-nous de bon samedi. Bien-y, Ivan. Et puis nous ne pouvons plus reculer maintenant, pas vrai? On y va! Pas partir! J'ai pas eu le temps de lire! On you.
Oh, quelle action! Phew! On a réussi! Les autres ont l'air de s'être enfuis. Oh, ils partent, c'est tout simplement. C'est la raison. J'imagine que Sandy se trouve par là. En espérant qu'elle aille bien. Ivy. Ou quoi s'est forcé à tâter quelqu'un de choses à faire ceci. Hein? La logique. Tani! Careful. Type, but you must be to have come here. Speaking of which, why didn't that grizzled old coward Batu come and get me himself? We made an agreement. In return for securing your freedom, he promised to grant us safe passage to the King's Cradle. Really? He said that? Ha! I knew it! I knew he'd take a shine to you. You've got that same twinkle in your eye. I most certainly do not. You most certainly do too. It's like you can both see something. Something no one else can. Sur ce coup-là. Yeah. Désolé, je ferai plus attention la prochaine fois. Evan, comme promis, je t'autorise à traverser la vallée à ta guise. Thank you. Merci beaucoup, monsieur Zora. La musique est tellement belle. Le dôme sacré n'attend plus que nous, Evan. Hey, j'ai bien entendu, vous comptez aller au dôme sacré? Oui. Mais pourquoi? Il faut avoir de sacrées bonnes raisons pour pouvoir aller dans un endroit pareil. Cette tête de mule veut faire un pacte avec un gardien pour devenir roi et amener la paix dans le monde. Really? Vraiment, un roi qui amène la paix dans le monde, hein? Dans ce cas, vous feriez mieux d'y aller en planeur avec quelqu'un qui connaît les environs. Et vous avez de la chance, je me porte volontaire. La réaction de son père. En plus des trois. Je suis surtout vu son père là. Hein? Quoi? Alors c'est le moyen de dire. Pourquoi que j'ai vu Evan du Roland après parce que c'est écrit Evan Roland et Zora quoi? Oh, wow.
et qui t'a dit que tu pouvais y... Hmm? Tu dis toujours que je dois décider par moi-même, pour moi-même. Donc j'ai décidé que j'irai avec eux. Santi vous a rejoint. La réaction de son père. Oh, je suis découragé. Sur ce, je vais préparer les planeurs. Venez me voir à la grande piste de décollage en bas quand vous êtes prêt. J'aime ça. C'est... Le père qui a la réaction qui me fait rire. C'est sûr qu'on finit pas le chapitre aujourd'hui. Mais on n'a pas de téléporteur par contre. téléporteur. Ou on a le téléporteur, mais. On a plutôt pas de point de sauvegarde. Oh, on peut sauvegarder. Oh. Ah. Alors, on va se laisser là, on va garder la suite pour la prochaine vidéo. Ah, c'est fun! Vous voyez le planeur, vous allez le voir ça dans la prochaine vidéo. Moi, de mon côté, ça fait pratiquement 1h40 que je tourne. Mais beaucoup vont être enlevés pour une meilleure fluidité. Parce qu'il y a beaucoup que j'ai... Il y a beaucoup de bouts top et des longs bouts dessus que j'ai pas parlé. Du tout. Presque, mais... Soit ça, comme ça, vous n'allez même pas le savoir ce que j'ai dit. Soit ça, c'est pour des choses nécessairement intéressantes. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ah, que j'adore ça. Plus que ça avance, plus que... Ah, j'adore ça. J'aime ce jeu comme ça se peut pas. Ah, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien est sur le panel de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni. Ah, juste attendez que je me suis pis là, je vous laisse car je vous dis merci à tous.